Une annonce importante pour la première dame de France. Depuis le mardi 4 avril, Brigitte Macron est de passage à Marseille afin d'inaugurer un lieu cher à son cœur, une école Lille, l'Institut des vocations pour l'emploi, note de la rédaction, dont elle préside le comité pédagogique. Un déplacement officiel de l'épouse du président de la République auquel nos confrères de la Provence étaient présents. Et face à ces derniers, Brigitte Macron a notamment fait une annonce remarquée. Mon mari va venir prochainement. C'était déjà prévu mais avec les actualités son déplacement a été décalé. Et il viendra 3 jours, notamment pour le plan Marseille en grand, a rapporté Brigitte Macron lors de l'inauguration du nouvel établissement Live. Une visite prévue de longue date puisque le chef d'État était attendu de pied ferme dans la cité phocéenne le 22 mars dernier. Seulement, avec la réforme des retraites, ce dernier a donc dû faire une croix sur ce déplacement. Supérieur à supérieur à les plus beaux looks de Brigitte Macron 2023. Brigitte Macron emballée par la ville de Marseille. Toujours d'après les révélations faites par la Provence, mardi 4 avril, Brigitte Macron a, durant l'inauguration de l'établissement, exprimé quelques confidences sur l'amour qu'elle porte à la ville de Marseille. À Marseille, on sent que tout est possible, a-t-elle notamment affirmé. Il y a une énergie folle. Si est-il très important pour moi qu'un centre live soit présent ici car cette ville représente beaucoup pour notre couple, si est-il très symbolique. D'après ses dires, lorsqu'elle a prévenu Emmanuel Macron qu'elle devait se rendre à la cité phocéenne, le chef d'État a été très peiné de ne pas pouvoir l'accompagner. Quand j'ai dit ce matin à mon mari que je venais à Marseille, lui, il s'envole ce soir pour la Chine, il m'a dit de vous saluer, avait-elle renchéri, heureuse. De touchantes confidences qui ont beaucoup plu aux nombreux invités présents. Crédit photo, Jonathan Rebo à Panoramique.